direct sur TV et radio de vie. Voilà, donc bah, les téléphones sonnent, c'est pas grave. On se laisse guider, y a pas de problème. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, donc après cette longue et puissante journée d'adoration, de partage de l'évangile, eh bien, nous sommes toujours en forme, mes amis, pour adorer Yeshua, notre maître, et avec cette nouvelle vision que Dieu nous a communiquée par rapport à TV de vie. Hein, donc, on veut passer du temps dans l'adoration, dans la louange. Donc, il y a un frère, justement, qui vient de la Belgique, qui va nous dire un peu ce qu'il a reçu. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir. Voilà, je voulais juste confirmer la... Alors, je ne sais pas si le son est correct, mes amis. Alors, vous qui êtes chez vous, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler hein, ce soir pour témoigner également de ce que le Seigneur fait dans vos vies. Là, je disais, je voulais juste confirmer la nouvelle vision du Radio et TV des vies. Le samedi, j'étais chez moi à la maison. Et il y a une pensée qui est venue à moi. Qui me disait que... on doit passer beaucoup plus de temps dans l'adoration. Je me suis dit, comme je viens de la Belgique, comme c'est le frère Trésor qui est responsable, qui gère un peu le groupe de Bruxelles, je me suis dit, je vais en parler au frère Trésor quand il sera à Bruxelles. Ça, c'était le samedi soir. Et le dimanche matin, je me réveille, je me connecte sur le site des Télé des Vies, je vois la vision qui est présentée par nos frères de Télé des Vies. Pour moi, c'est une confirmation que le Seigneur nous demande de passer beaucoup plus de temps dans l'adoration. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Mon frère Thierry, tu étais en mission au Congo. Comment ça s'est passé? Et Dieu se glorifie. Et vraiment, Dieu touche maintenant même les pasteurs, les évangélistes et qui... Il commence un peu à comprendre le message et accepter le message surtout. Bah, sauf que, voilà, vous savez bien, les gourous ne veulent pas laisser les brebis du Seigneur. Mais Dieu se glorifie. Il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés. Ils ont reçu des BJC. Ils étaient très, très contents. C'est une ville où la Bible coûte dans les 15 à 20 dollars et les gens gagnent moins de 30 dollars. Donc, ils ne savent pas se procurer des Bibles. Alors, ils étaient très, très contents. Je pense qu'on avait fait passer la petite vidéo que j'avais faite avec les frères. Ils sont très contents. Vraiment, ils demandent à ceux qui, si possible, que vous puissiez les envoyer des Bibles pour lire la parole et ne plus être arnaqués par des faux pasteurs. Amen. Non, à Kisangani, mais c'est au nord-est du Congo. Et les pasteurs avaient prophétisé quand je suis retourné la fois passée, rentré du voyage. Ils ont prophétisé après moi que, voilà, je ne vais plus avoir des visas pour retourner là-bas. Mais Dieu a fait grâce. On nous a donné un visa de 3 ans renouvelable. Et on peut s'établir maintenant au Congo pour continuer la mission. Le prendre en direct pour merci les frères beaucoup. Et sœurs de Kisangani. Amen. Voilà, comme on les avait dit, hein, le Seigneur a dit, nous avons reçu gratuitement et on va donner gratuitement et on continue. Gloire à Dieu. Donner gratuitement. Gloire à Dieu. Alors comment vous et les frères et sœurs vous ont vraiment remercié. Ils sont très très contents d'avoir des Bibles. Soutenez-nous dans les prières. C'est pas facile. Comme Paul pouvait dire, une grande porte nous est ouverte. Il y a beaucoup, plein d'ennemis qui ne veulent pas que les brebis du Seigneur soient délivrés. Mais le Seigneur se glorifie. C'est trop tard, le message est déjà rentré. Mm-hmm. Et Dieu se glorifie. Là-bas, tu prêches aussi à la télévision? Oui, à la télé. Nous sommes à la télé, à la radio. Donc, voilà, il y a beaucoup de familles qui sont touchées. Il y a même qui sortent dans les assemblées qu'on appelle assemblées des saints. Et vraiment, il y a un grand travail à faire. La moisson est vraiment grande et il y a beaucoup de personnes. Si on ne s'élève pas, ben ils vont finir en enfer. Mais je vais juste dire quelque chose, si vous permettez. Par exemple, la ville de Kisangani, il y a au moins dans toute la ville, s'il y a 100% de mariages, je pense qu'il n'y a même pas 2% qui soient légaux.
Et tous ces gens-là, c'est des gens qui fréquentent les assemblées tous les jours. Le message de la croix n'est plus prêché. La sanctification, ces vocabulaires n'existent plus chez les pasteurs. Donc, vraiment, il y a beaucoup de familles qui vivent dans la fornication. C'est vraiment la totale. La totale. Donc, tu vas repartir quand là-bas? Si Dieu le permet, même demain, on retourne. Et là, cette fois-ci, je vais partir avec la famille parce que aller, revenir, ça... C'est beaucoup de sirènes de zoo là-bas aussi. Oui, il faut bien. En plus, c'est... il n'y a que ça là-bas. Et les pasteurs qui vendent l'onction, il y a un qui a plus de 10 000 personnes, j'ai raconté l'autre fois. Il y a un autre encore. Et lui, il enlève ses chaussures carrément et il demande aux gens de venir mettre les pieds dans ses chaussures, moyennant 100 $, et il prend sa veste, il pose sur toi, et tu pars avec l'onction qu'il a. Et c'est ce qu'il y a. Mais depuis que nous sommes là, ça commence à bouger, ça change. Oui, on est déjà prêt avec ma femme. On attend juste que le Seigneur débloque la situation et on va s'installer. Voilà, c'est ça, on reçoit le message et puis on rentre. Pour rentrer au pays pour faire le travail. Amen. Vraiment, il y a un grand travail. Et il faut arriver aussi du côté des Béni, là-bas où il y a des. On tue les gens, beaucoup de massacres. Il y a un grand travail à faire, vraiment. Ça demande aussi votre soutien dans la prière. Parce que nos vies sont exposées tous les jours. Tous les jours. C'est une ville où on peut vous tuer à n'importe quel moment. Et ces gens-là, il a 15 000 personnes, il a la dîme de 15 000 personnes, et quand vous dénoncez ça, ça n'arrange pas. Pour 20 $, 100 $, on peut te descendre facilement. Mais comme c'est Dieu qui nous a donné la mission, et il est là, il nous protège. Voilà, la preuve en est, on a eu le visa d'établissement, et que le Seigneur soit béni. Et merci pour le soutien des frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Donc les amis, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez, hein, pour partager avec nous. Voilà, on se laisse guider. On se laisse guider. Je sais, quelqu'un d'autre voulait... Ouais. Là. Est-ce qu'on a pris ton témoignage? Pas ta vision que tu as... Non? Ben on va le prendre alors. Le Seigneur m'a fait grâce de me montrer quelque chose il y a de cela quelques semaines. Alors c'était dans une période de trouble où vous savez tous cette vidéo qui est tombée sur le frère Chora et il a dénigré complètement. Alors là ça m'a mis beaucoup en doute et je n'ai plus prié, je n'ai plus demandé au Seigneur si c'est vraiment ton homme de Dieu. S'il marche toujours avec toi, je n'ai plus prié, j'ai laissé comme ça parce que j'étais énervé. Et un jour, deux jours après, le Seigneur, un matin, le Seigneur me donne un songe. Et je vois le frère Chora au Bénin, dans mon pays, parce que je prie beaucoup pour mon pays. Et je le vois habillé tout en blanc. Et il prêchait à des jeunes, à beaucoup de jeunes. Il y avait quelques membres de ma famille. Il prêchait à beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là. Et il tenait le micro et il enseignait. Et ça m'a confirmé. Et après, quelques jours après, le Seigneur m'a montré qu'il était tout seul en train de marcher avec lui. Ça a confirmé, en fait, la vision qu'il disait la dernière fois, que le Seigneur lui disait d'être seul. Et je le voyais, il était seul, encore beaucoup plus déterminé qu'avant. Et voilà, il n'y avait pas de monde. Non, il était vraiment dans la voie du Seigneur. Le Seigneur me disait, voilà, je l'ai mis à part pour qu'il marche encore plus, pour qu'il parle encore plus à mon nom. Donc, et moi, je ne savais pas parce que je n'avais pas suivi TV de vie en direct. C'est une sœur qui m'a informé en me disant que, voilà, le frère Chora avait dit que le Seigneur lui avait dit de se mettre à part. Et donc, j'ai dit, bon, voilà, donc Dieu parle. Donc, c'est vraiment une confirmation. Et c'est une grâce du Seigneur. Donc, je voudrais dire aux frères et sœurs de vraiment se focaliser sur le Seigneur. Ce n'est pas facile. Et je nous demande vraiment, quand on ne sait pas tout, Paul dit que nous connaissons en partie.
Et comme on ne sait pas tout, on peut se tromper. La sagesse voudrait vraiment qu'on demande au Seigneur, au Saint-Esprit, de nous éclairer. Quand bien même j'attends que tel frère est mauvais, tel frère est mauvais, je vais devant le Seigneur. En toute humilité, je dis, Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est vraiment ton serviteur? Et là, le Seigneur nous éclaire. La Bible dit de marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est vrai, on peut avoir des réactions impulsives. Mais après, il faudrait vraiment qu'on rentre en nous-mêmes et qu'on demande au Seigneur pour nous éclairer. Donc, vraiment, concentrons-nous sur le Seigneur. Nous sommes vraiment à la fin. Il y a quelques temps, le Seigneur m'a donné une vision sur la fin des temps. Et j'ai vu le président François Hollande. Il était à la télévision. Il y avait un monde qui le suivait. Il disait, faites des vidéos comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez, mais sachez une chose, Babylone va bientôt débouler. Alors c'était la première fois que j'entendais le verbe débouler. Je ne savais pas que ce verbe existait. Je suis allé, quand je me suis réveillé, je suis allé sur internet, je regarde le verbe débouler, et ça signifiait vraiment les lapins qui sortent en fait dans une période de printemps, ils sortent de leur tanière. Pour se montrer, il sort de leur tanière. Donc, il disait simplement que Babylone va bientôt débouler. Ça veut dire l'homme impie, quel que soit ce que vous allez faire, l'homme impie va bientôt sortir de sa tanière. Donc, le Seigneur vraiment parle. Nous sommes vraiment à la fin. Et dans le songe, le Seigneur me montrait, on m'avait donné la date en plus. En fait, on m'avait. Mais quand je me suis levé, la date s'est effacée de ma mémoire. Bon, je pense que c'est pour éviter toute spéculation. Donc, je savais que c'était. On était tout prêt, quoi. C'était comme s'il restait quelques secondes. Et vraiment, attachons-nous au Seigneur, focalisons-nous sur le Seigneur. Prions les uns pour les autres. Prions pour les vrais hommes de Dieu. Ceux que Dieu vous a dit, ce sont mes enfants. Priez pour eux, vraiment dans la paix, dans la joie, dans la sanctification. Et le Seigneur va nous conduire. Voilà. Donc, je tiens vraiment à bénir tout un chacun de vous, à bénir le frère Chora, qu'il continue et tous les vrais enfants de Dieu dans le monde entier. Voilà, merci. Alléluia. Dieu, tu es bon. Merci. Ah, c'est bon. Ça va? On peut avoir le retour ici. On est un peu bizarre, on sent un peu bizarre sans retour. Voilà, le studio change, hein, les instruments un peu partout. Voilà. Alors. Moi, je ne devais pas venir. Uh-huh. Donc, voilà, je vais raconter l'histoire. Hein. D'accord. Mon fils, il est en déplacement à Issy-les-Moulineaux. D'accord. Et bon, j'ai cherché sur internet, par le train, c'était cher. Et après, j'ai jamais été chez Blablacar. D'accord. J'étais dans Blablacar, j'ai cherché et puis j'ai trouvé une place pour lui et la jeune fille. Puis après, donc elle ne répond pas, elle dit bon, les horaires sont changés, lundi à 10h30, je lui envoie un mot pour me dire où et à quelle heure, puisqu'elle a changé les heures. Elle ne répond pas depuis samedi jusqu'à hier, donc au soir. Et là, j'ai vu qu'elle n'a pas répondu et puis j'ai dit oh là là. Ben, le train il est cher, Blablacar ça ne marche pas, elle ne répond pas. Mais sur TV de vie, demain, ils ont dit qu'il y a quelque chose. Et là, j'ai dit, bon, je vais prendre mon fils, c'est moi qui vais le ramener, et je vais faire un tour. Et j'attendais la réponse, c'est ça. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi et tu veux que j'aille à TV de vie, alors que la personne annule le départ, et je sais que c'est toi. Eh ben, elle m'a envoyé un message, elle a dit, c'est annulé.
Et je sais que c'est le Seigneur qui voulait que j'arrive ici. Avec gloire à Dieu. Et j'ai fait la route et je remercie Dieu d'avoir rencontré mes frères et sœurs. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Et aussi remercier tout ce qui se passe et la vision. Et le Seigneur, il y a 4 ans. Wow. Je ne veux pas dire tout. Hein. Ok. C'est entre nous. Ok. Il y a 4 ans, rappelle-toi. Oui, oui, si, c'est moi. Oui, effectivement. La tête sur un plat. Mm-hmm. Tout seul. Gloire à Dieu. Tous les membres coupés, personne à côté de toi. C'est ça. Tout seul, avec le Seigneur. Amen. Et c'est plus toi qui conduisais, c'est Dieu. Amen. Et c'est une confirmation. Quand je suis sage, j'ai dit merci Seigneur. Wow. Je rends grâce à Dieu. Dieu est vraiment fidèle. Être tout seul. Amen. Et comme ça, il n'y a personne qui contrôle l'œuvre de Dieu. On a voulu m'empêcher de prêcher le message. Voilà. Il ne fallait et pas puis, dénoncer, il ne fallait plus faire les choses. On peut poser des questions pièges aussi. Mm-hmm. Et moi, je suis derrière l'écran, je hurle, je crie. J'essaie d'avoir TV2V, il n'y a personne qui répond, il y a toujours occupé. Mm-hmm. Mais c'est rien. On a le temps et on vient et on va. Gloire à Dieu. Voilà. Alléluia. Soyez bénis et merci pour votre accueil. Amen. Voilà. Waouh. Gros alors, bisous à tout le monde. Gloire à Dieu. On va juste prendre un passage là, justement. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, l'émission, c'est à 20h30, hein, David, hein, logiquement. Alors, on fait une pause là. Ouais. Je sais pas. On prend un passage quand même dans Apocalypse chapitre 6. Waouh, le Seigneur est bon. Il y a eu beaucoup. Combien de baptêmes aujourd'hui? Vous savez pas? Il y en a eu beaucoup, hein? Waouh. Qui a été baptisé aujourd'hui? Eh ben, tu veux nous dire un peu comment ça s'est passé? On va lui passer le micro. Voilà. Waouh, que le Seigneur soit béni. En tout cas, il y a eu beaucoup de baptêmes. Beaucoup de personnes se sont avancées pour le baptême. On voit ce réveil, on voit comment le Seigneur est en train de sauver des vies. Et nous sommes vraiment encouragés. Voilà, donc tu vas prendre le micro, jeune fille, et nous dire comment tu t'appelles et d'où tu viens. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Candice. Candice, quel âge as-tu? J'ai 11 ans. 11 ans? Oui. Et tu es venue pour la première fois ici? Non, pas la première fois. D'accord. Alors, comment ça s'est passé, ton baptême, tout ça? Bah, c'était bien. Ouais. Bah, ça m'a fait du bien. Ça t'a fait du bien? Oui. Waouh. Tu sais dans quoi tu t'es engagé, là, avec le baptême? Oui. Qu'est-ce que tu vas devoir faire maintenant? Arrêter de faire des péchés. D'accord. D'accord. Voilà. Ça t'est arrivé de pécher aussi avant? Oui. De mentir, par exemple? Oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Oui. Ah ben maintenant, tout ça, c'est fini. Oui. Tu es venu avec qui? Avec mes soeurs. Oh, ce sont tes sœurs. La plus grande, celle-là, c'est elle. C'est toi. Ah ben, c'est vrai, on sait déjà. Alors, comment ça s'est passé? Quand vous êtes sortis de la maison, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'elle se fasse baptiser aujourd'hui? Elle vous l'avait dit? D'accord. Et les parents, ils sont d'accord ou pas? Ou je sais pas. Papa est d'accord, maman, tout ça? Waouh. Et qu'est-ce que vous avez à dire, alors? On va passer le micro aux grandes sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous êtes baptisées, hein, toutes les deux? Oui. Gloire à Dieu. Alors... Vous êtes contente que votre sœur se fasse baptiser? D'accord. Il reste qui de la famille qui n'a pas encore reçu son baptême? Les parents. Ah, les parents aussi? Ah ben, je crois qu'ils sont connectés ce soir. On va prier pour qu'ils se fassent baptiser au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Donc, Apocalypse chapitre 6. Voilà. Et quand l'agneau eut ouvert l'un des seaux, je regardais et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme avec une voix de tonnerre, « Viens et vois. Viens et vois. » Je regardais et je vis un cheval blanc. Celui qui était monté dessus avait un arc et il lui fut donné une couronne. Et il est sorti en vainqueur pour vaincre. Et quand il eut ouvert le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens et vois. » Et il sortit un autre cheval qui était roux, et il fut donné à celui qui était monté dessus de pouvoir ôter la paix de la terre afin que les hommes se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Quand il eut ouvert le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens et vois. Et je regardais et je vis un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et les trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Et quand il eut ouvert le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième animal, être vivant qui disait, viens et vois. Et je regardais et je vis un cheval verdâtre.
Et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Et le Hadès l'accompagnait. Ah, c'est fort, hein, c'est terrible. Et il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et quand il eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient gardé. Et elles criaient à haute voix, disant, jusqu'à quand, Seigneur, qui est saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang de ceux qui habitent sur la terre ? Et leur fut donné à chacun des robes blanches, et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux soit complet. Et je regardais quand il eut ouvert le sixième sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de grain, et la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque le figuier est agité par un grand vent et laisse tomber ses figues encore vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on, n'est-ce pas, enroule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, et les princes, et les riches, et les capitaines, et les puissants, et tous, esclaves et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et entre les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Alléluia. Là, c'est les six premiers sceaux. Et on va parler beaucoup de la prophétie biblique, mes amis. Et comme je vous disais, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de changer même le thème de l'émission que nous avons animé pendant des années, c'est-à-dire la dernière trompette, et m'a vraiment mis à cœur d'intituler cette émission « Il est minuit ». Il est minuit. Alors, je ne sais pas si on peut avoir le logo, David, c'est possible d'avoir non, ce n'est pas encore... Ok, pas de souci. En tout cas, pourquoi ce nom, pourquoi cette appellation? Parce que, tout simplement, le Seigneur est en train de revenir, et il est en train de revenir... Mes amis, et beaucoup de gens ne se rendent même pas compte. Et pourquoi ces sceaux? Pourquoi ces sceaux? Regardez rapidement dans Daniel chapitre 12. Daniel est le prophète qui a reçu des clés concernant la fin de temps. Il a reçu beaucoup de clés concernant le temps dans lequel nous sommes, concernant notre période, notre époque. D'ailleurs, le Seigneur, quand les apôtres lui posent la question dans Matthieu 24, « Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il » en parlant de la destruction du temple, « et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» ou encore de l'achèvement de l'âge. Et regardez ce que le Seigneur va dire. Il va dire, il va y avoir des guerres, des troubles, tout ça. Et ensuite, au verset 15, le Seigneur dira, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète, s'établir, être établi dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète fasse justement attention. » En fait, le Seigneur Yeshua est en train de nous envoyer, de nous renvoyer à Daniel. Il est en train de dire aux apôtres ici d'aller consulter Daniel. Voyez. Et pourquoi Daniel? Comme je vous l'ai dit, Daniel a reçu beaucoup d'éclairage. Il a eu la visitation de l'ange Gabriel. Or, Gabriel est l'ange de la révélation. Gabriel est l'ange qui se tient devant le trône de Dieu. Il a dit lui-même à Zacharie. Et il se tient devant le trône pour recevoir des révélations et afin de les partager, bien sûr, aux hommes de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de révélations qui devraient compléter la parole, parce que la parole est déjà complète, la Bible, les Écritures. Et quand on va dans Daniel 12, justement, qu'est-ce qu'on apprend, mes amis? C'est fort ce que Daniel va nous dire. Alors, nous sommes dans Daniel chapitre 12. Et qu'est-ce qu'il dit, mes amis? Et il a reçu des clés, bien sûr. Et regardez, à partir du verset 4, l'ange dit à Daniel, « Mais toi, Daniel, ferme ces paroles, ou encore scelle ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. »
Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un à deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces merveilles ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Il est question ici de 3 ans et demi de la grande tribulation. Donc nous avons des précisions concernant, mes amis, cette époque et, où Dieu justement va frapper véritablement et, comment dire, le royaume de l'homme impie. Et on nous dit et que toutes ces choses s'accompliront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La force du peuple saint, il est question ici d'Israël, bien sûr, des Juifs. Vous savez, pendant cette nouvelle, toute cette année, tout au long de cette année, et lors des de nos interventions désormais sur TV de vie, de mes interventions, Dieu m'a beaucoup, beaucoup encouragé et exhorté à parler sur la prophétie biblique. Donc je reviens beaucoup sur la prophétie biblique parce que le Seigneur est en train de revenir. Il est temps que nous puissions, mes amis, faire une lecture prophétique sur les événements mondiaux, n'est-ce pas? Notamment les fusillades, les attentats, les guerres, les famines. On vous montrera des images, des choses qui se passent ici et là. Le complot qui se met en place, comment l'homme impie est en train de s'organiser. On vous montrera, on parlera de la prophétie parce qu'on s'est aperçu que Satan a envoyé beaucoup de ses émissaires, ses enfants, qui, bien sûr, comme vous le savez, font des vidéos sur Internet dans le but de, n'est-ce pas, distraire les chrétiens afin de les éloigner de la vision prophétique, hein, de la lecture prophétique des événements concernant, bien sûr, notre monde et concernant aussi le retour du Mashiach. Et beaucoup de chrétiens sont, mes amis, friands de toutes ces, mes amis, toutes ces vidéos et qui se focalisent sur les hommes au lieu de se focaliser sur l'évangile parce que Yeshua revient. Et on perd beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de temps, des chrétiens perdent beaucoup de temps et le peuple saint doit saisir son temps. Et l'ange dit à Daniel ici que la prophétie dont il est question ici concernant justement la grande tribulation se réalisera lorsque le peuple, Yeshua interviendra, le Mashiach interviendra lorsque la force du peuple saint sera bien sûr épuisée, brisée. Pourquoi? Parce que les nations sont en train de se mettre en place pour attaquer, bien sûr, Israël. Je tiens à vous dire, mes amis, que l'Iran, je ne suis pas encore en train de développer les 4 sceaux, hein, parce que ce soir, on va parler rapidement des 4 sceaux, les 4 premiers sceaux. Je tenais d'abord à vous informer que l'Iran va avoir la bombe atomique. L'Arabie Saoudite a déjà pratiquement la bombe atomique. Vous devez le savoir. L'Iran, donc les Perses, les Perses sont en train de s'élever, de se réveiller. Et on est vraiment à la veille du départ, chrétiens, mes frères, mes sœurs. Et qu'est-ce que Daniel reçoit encore? On lui a demandé, n'est-ce pas, de sceller ce livre, de sceller ces révélations jusqu'au temps de la fin. Et qu'est-ce que Daniel reçoit encore au verset 8? J'entendis, mais je ne compris pas. Effectivement, il était prophète. Il a entendu des choses qu'il n'avait pas comprises. Et on lui dit, ce n'est pas pour toi, Daniel. Ne cherche pas à dévoiler ces choses. Ne cherche pas à les découvrir, à les comprendre, à les saisir, parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ta période, ce n'est pas pour ton temps. Et qu'est-ce qu'on apprend encore? Il dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Parce qu'il était quand même assez perplexe. Il a vu des choses terribles. Il a vu beaucoup de choses que Jean a vues. Dans le livre d'Apocalypse, il répondit, va Daniel, car ses paroles seront tenues closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Waouh! On lui a répété une deuxième fois, ces paroles précisément seront scellées et tenues closes jusqu'au temps de la fin. Ne cherchez pas à les comprendre. Et regardez ce que Pierre nous dit justement. Daniel, on a vu que Daniel avait reçu un livre et ce livre était scellé jusqu'au temps de la fin. Et regardez ce que Pierre, notre grand frère, notre père dans la foi, nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1er. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Au nom de Yeshua, notre maître, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen.
Je vous disais que nous sommes dans 2 Pierre, c'est ça? On va prendre quelqu'un, pourra-t-il nous lire 2 Pierre 1, 19? Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à la lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Mais... sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé. Voilà, donc, Pierre nous appelle à nous attacher à la parole prophétique. Il ne nous appelle pas à nous attacher à l'argent, à la dîme. Il nous appelle à être des lecteurs, des étudiants de la prophétie biblique. Et il dit que cette parole prophétique est ferme. Et il la compare à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et ce lieu, c'est le monde. Le monde qui est, n'est-ce pas, couvert par l'obscurité, couvert par les ténèbres, ces ténèbres religieuses, ces ténèbres, mes amis, qui poussent les hommes à se suicider, ces ténèbres, mes amis, qui poussent ces jeunes, ces hommes et ces femmes à aller se faire exploser, mes amis, pour tuer beaucoup de personnes. On voit bien que le monde est complètement en ténèbres, complètement dans l'obscurité, dans la confusion. Et là, on nous dit justement que nous, chrétiens, nous avons une parole, la parole prophétique. Elle est censée nous éclairer. Elle est censée nous orienter parce que nous sommes en train de marcher. Et cette parole va éclairer, n'est-ce pas, nos pas, hein, notre chemin. Cette parole dont il est question dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et qu'est-ce qu'on apprend également dans 1 Pierre 1, 10? Pierre dit, c'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée ont fait leurs recherches et leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit prophétique de Christ qui était en eux. C'est ce que Daniel voulait faire. Et qui rendait à l'avance témoignage, leur faisant connaître les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils administraient ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. On voit bien que, mes amis, les prophètes ont voulu faire ils ont fait des investigations. Ils ont fait des recherches quand ils ont eu des révélations concernant la fin de temps. Et on leur a dit, comme l'ange l'a dit à Daniel, ce n'est pas pour toi, Daniel. Ferme ces choses. Scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Et mes amis, Jean, Dieu l'amène dans les années 95 après Yeshua. Nous sommes au premier siècle, Dieu l'amène au ciel, et il voit un livre. Et on lui dit un livre scellé de 7 sceaux, fermé. Et il entend une voix qui dit, qui est digne justement d'ouvrir ce livre? De prendre ce livre déjà et d'en rompre les sceaux. Il n'y avait personne. Vous savez, ce livre-là, c'était le livre de l'avenir. L'avenir de l'humanité. Aussi bien l'avenir des inconvertis que des convertis. C'est un livre, Paul, dans lequel sont consignées, n'est-ce pas, toutes nos bénédictions. Un livre dans lequel est consignée notre destinée. Sans l'ouverture de ce livre, la destinée, n'est-ce pas, de l'humanité est complètement floutée. Sans l'ouverture et la lecture de ce livre, mes amis, Satan ne pouvait que danser et se réjouir. Ce livre, mes amis, dans ce livre était figuré l'avenir de Satan. Et personne ne le connaissait. Et Jean entend quelqu'un qui dit, mais qui est digne de venir devant le trône et de prendre ce livre qui se trouve entre les mains du Père, dans la main du Père? Mais personne n'était capable, justement, de lire parfaitement l'avenir. Seul celui qui était capable de lire l'avenir pouvait prendre ce livre. Et Satan ne connaît pas l'avenir. Et là, Jean pleure. Il pleurait parce qu'il se disait, mon avenir est compromis. Ma destinée est compromise. Mon futur est perdu. Que faire? Et un des anciens va le voir pour lui dire, ne pleure pas. Nous avons besoin des anciens, frères et sœurs.
ceux qui ont de l'expérience, qui marchent dans la sainteté, qui peuvent conseiller la jeunesse. Il dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Oh, alléluia, Jesus. J'aime bien le voici. Vous voyez, c'est ça l'évangile. Arrêtez, mes amis, la distraction. Nous voulons qu'on vous nous présente l'homme de Galilée. Voici. C'est comme dans Matthieu 25, hein? Toutes les vierges s'étaient assoupies, endormies, et à minuit, on nous dit, Jesus. Vous n'avez pas vu qu'il y a toujours des voici dans la Bible, mes amis, là? Alléluia. Voici l'agneau. Regardez bien, à chaque fois qu'il y a eu un voici, c'est parce que c'était la réponse à un besoin. La réponse à une prière. L'exaucement à une prière. Mes amis, alléluia. Jesus Christ. Wow. Et nous sommes dans une génération, mon frère Paul, où il y a la confusion. Les Français sont dans la perplexité. Les Européens sont dans l'angoisse. Les Africains dans l'angoisse. Les Maghrébins dans l'angoisse. Les Indiens dans l'angoisse. Les Métis, tout ça là. Et les gens se disent, mais qui peut nous présenter l'homme, cet homme qui peut venir nous sauver? Et là, Jean pleurait. Jean était prophète. Jean était apôtre. Il avait l'onction. Mais il était désespéré. Et on dit, voici l'agneau qui vient de la tribu de Juda. Et Jean regarde, quand on dit voici, on présente, on montre l'endroit, la direction. Il regarde vers là-bas. Là. Et là, Jean fixe ses yeux, regarde, il zoome un peu là, il voit un agneau qui était là, qui était immolé. Mes amis, un agneau immolé, c'est un agneau logiquement qui ne peut plus nous aider. Immolé, c'est égorgé. Mais là, bah oui, on lui a montré un agneau égorgé. Imaginez, mes amis, vous savez. Il pleure parce qu'il fallait quelqu'un qui lirait ce livre. Et on lui montre un animal égorgé. Mes amis. Voilà l'humour du Seigneur. Voilà la faiblesse de Dieu. Ceux qui veulent la délivrance, Dieu leur révèle d'abord sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est quoi? Mes amis, c'est la croix. Jesus Christ. Et il regarde cet agneau. On lui parle, voici le lion de la tribu de Juda. Quand, au lieu de voir le lion, il voit l'agneau égorgé. Ça veut dire quoi? On ne peut pas accéder au royaume sans passer par l'agneau. Sans passer par la souffrance. La mort. Et là, il voit cet agneau immolé qui se lève. Et il était où? Il était assis au milieu du trône. Si ce n'est pas lui le Père, qui d'autre peut s'asseoir au milieu d'un trône? Mais si ce n'est pas lui le Père, alors qui était assis sur le milieu? Parce qu'on dit qu'il était au milieu. Mais si ce n'est pas lui le Père, donc ça veut dire que le Père était au-dessus? Il est écrasé? Non. Alléluia. Et là, l'agneau vient. Il prend le livre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il brise les 7 sceaux. Mes amis, il a brisé ces chaînes qui floutaient ton avenir, Église. Il a brisé ces chaînes qui empêchaient, n'est-ce pas, qui t'empêchaient de lire ton avenir. Il est venu, il les a brisées. Désormais, tu sais comment tu finiras. C'est-à-dire, tu seras enlevé. Tu vas vivre éternellement dans la Nouvelle Jérusalem. Désormais, nous savons comment Satan finira. Il va faire de la prison pendant 1000 ans. Ça, nous le savons. Grâce à l'ouverture des sceaux. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Nous savons comment finiront nos ennemis. Dans le lac de feu. Mais vous avez un peuple qui connaît déjà la fin de l'histoire. Est un peuple qui a la victoire. C'est magnifique. Et là, l'agneau vient et nous dit le premier sceau. Et on nous dit l'agneau est venu. Il a ouvert le premier sceau. Et on dit à Jean, viens et vois. Mes amis, nous avons un Dieu qui veut nous montrer des choses. Ah oui. Et là, il voit le premier cavalier, c'était un homme habillé en blanc, l'Antichrist. Et il est parti pour vaincre. Il est parti comme un vainqueur. Il est parti pour vaincre. Et cet homme-là, ce cavalier, va faire beaucoup du mal, beaucoup de dégâts. Il va attaquer Israël, il va attaquer les Juifs, il va aussi attaquer ceux et celles qui aiment, n'est-ce pas, le Seigneur. Regardez Apocalypse chapitre, mes amis, 13.
Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivait la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des discours pleins d'orgueil et des blasphèmes. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez, non? Il est parti en vainqueur, le premier cavalier. Il est parti en vainqueur et le premier cavalier, mes amis, c'est l'Antéchrist. Je vous dis une chose, c'est grâce à Yeshua que l'Antéchrist a été révélé. Si Jésus n'avait pas ouvert ce premier sceau, l'Antéchrist allait opérer sans que les chrétiens ne le sachent. Son système allait opérer sans qu'on ne le voie. C'est parce que le sceau a été brisé. Là, ses œuvres ont été dévoilées. Et là, Dieu nous a montré que c'est un cavalier. Vous savez, dans les Écritures, ceux qui sont assis sur des chevaux, ce sont les guerriers. Vous savez, le cheval, nous dit la Bible, est équipé pour la guerre. Vous voyez, non? Yeshua, quand il est rentré en Jérusalem, il était assis sur un âne. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu pour faire la guerre. Il était venu pour apporter la guérison. Mais lorsqu'il va revenir, pour faire une deuxième entrée, il sera sur un cheval. Ça sera là pour la bataille d'Armageddon. Vous voyez, non? Et là, le premier cavalier, mes amis, il a un arc. Donc, ce n'est pas Yeshua, parce que Yeshua n'a pas d'arc. Lui, c'est l'épée. Lui, il a un arc avec des flèches. Pourquoi les flèches? Parce qu'avec ces flèches, c'est l'ennemi qui procède comme ça, n'est-ce pas? Pour toucher avec des flèches, avec des traits enflammés, pour mettre la séduction dans les cœurs des gens. C'est pour cela que nous avons le bouclier. Vous voyez, non? Le bouclier de la foi. Voilà. Et lui, le premier cavalier, c'est l'Antichrist. C'est la bête dont il est question dans Apocalypse 13. Et cette bête nous dit qu'elle va être adorée. Satan va lui donner, le dragon va lui donner son autorité, son pouvoir et son trône. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, depuis que Dieu a créé les anges, pour la première fois, Satan va accepter de donner son trône à un homme. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, Satan va se sentir tellement coincé par la pression qui s'exerce sur lui avec le retour du Machia, qu'il va se dire, je n'ai pas d'autre choix que de prendre un de mes enfants préférés, si ce n'est l'enfant préféré, c'est-à-dire l'Antichrist, et de lui donner carrément mon propre trône. C'est-à-dire la gestion de tout mon royaume, de tout son royaume. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe. Rappelez-vous bien, il cherchait cet homme-là, Satan. Il cherchait l'Antichrist. Quand Yeshua est venu dans Matthieu 4 et Luc 4, on nous dit, la Bible nous dit que Satan va prendre Yeshua, il va le transporter sur une haute montagne. Ici, la montagne, c'est le royaume. Et il lui montre tous les royaumes de la terre en un instant pour vous montrer à quel point il a, mes amis, une bonne vue sur les nations. En un instant, un clin d'œil, il lui dit, regarde, tout ça c'est à moi. Si tu m'adores, si tu te mets à genoux devant moi, je te donnerai le pouvoir sur tous ces royaumes. En fait, il a voulu faire de Jésus-Christ son antichrist. Et Jésus a dit non. Non. Il est écrit que tu ne peux adorer que ton Dieu et lui seul. Alors Satan s'est tourné vers un autre homme pour faire de lui son fils préféré, l'antichrist. Et cet homme-là sera d'origine juive. Parce que Yeshua a dit dans Jean 5, 43, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Quelqu'un d'autre viendra en son propre nom, vous le recevrez. » Pour que l'antichrist soit accepté par les juifs, il faut qu'il prouve sa judaïté, n'est-ce pas? Et sa judaïté, judaïté et judaïté. Et là, quand il va prouver son appartenance à la nation
juive, c'est alors qu'ils vont le reconnaître en tant que le Machia, et ce sera le faux Messie. Et je tiens à nous dire, mes amis, ça vous le savez déjà, que le premier cavalier est déjà sorti depuis. 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 Et le premier sceau est déjà ouvert depuis. Nous sommes dans les années 95 après Yeshua. Jean a été transporté au ciel. Il a vu comment ces sceaux étaient brisés, comment ce livre était ouvert. Désormais, on pouvait faire la lecture de ce livre. En fait, le livre scellé de sept sceaux n'était autre que le livre de la révélation. Voilà pourquoi ce livre a été appelé Révélation, Apocalypsis en grec. Action d'ôter le voile, parce que le voile était dessus à l'époque de Daniel. Et Dieu est venu par Yeshua, il a enlevé ce voile. Il y en avait sept, les sept sceaux. C'était comme des voiles. Et c'est pour cela que ce livre commence par Révélation de Jésus-Christ. Mes amis, écoutez bien. Déjà à l'époque de Jean, le premier cavalier était déjà libéré. Qui est parti pour vaincre. Et regardez, mes amis, comment, déjà à l'époque des apôtres, les premiers chrétiens, vous savez que la plupart sont finis martyrs. Humainement parlant, ils ont été vaincus. Voyez, Pierre, d'après la tradition, a été crucifié la tête en bas. Matthieu a été persécuté. Marc, persécuté. Paul est mort, a été décapité sous Néron, par l'empereur romain Néron. Tous ont connu le martyr. Jacques, déjà nous dit la parole, l'apôtre, a été, on lui a coupé la tête par Hérode. Pierre a été en prison. Vous verrez dans les Écritures, Étienne a été lapidé. Humainement parlant, ils ont été vaincus. Pas spirituellement, pas le péché. Le péché les a vaincus. Mais les hommes, humainement parlant, ils ont été vaincus. C'est pour vous montrer que déjà quand l'Église est née, le premier cavalier était déjà à l'œuvre. Quand l'église est née, quand Yeshua est parti, tout était déjà accompli là-haut. Il y a tout fait. Jean est allé voir déjà ce qui s'est passé. Ce que le Seigneur avait déjà fait, accompli. Et là, ce premier cavalier a persécuté l'église. Et ce premier cavalier s'est matérialisé par le règne, n'est-ce pas, des empereurs romains, les Césars. Néron, Domitien, tout ça. Ce premier cavalier a exécuté nos frères. On nous dit qu'il est parti en vainqueur. Il est parti pour vaincre. Et Jean, il était allé sur l'île de Patmos. Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu ce cavalier. Et vous savez comment il l'a nommé? Il n'a pas voulu dire le nom de ce cavalier. Parce que ce cavalier, mes amis, c'est un esprit en même temps qui habite, mes amis, les hommes puissants de ce monde. Qui ont l'esprit d'Antichrist. Et Jean, quand il a reçu les révélations, il était un prisonnier et il n'a pas, Dieu ne l'a pas, lui a pas permis de nommer cet individu de peur d'être exécuté. Et il a parlé en code, il a parlé de la bête, il a parlé des étoiles. Vous voyez, c'était un langage très très symbolique, un langage codé. Seuls les gens qui ont l'esprit de Dieu pouvaient décoder ce langage. Et il dit quoi? Il dit qu'il a vu une bête. Cet homme, ce cavalier a un caractère bestial. C'est comme une bête. Pas d'intelligence, pas de réflexion. C'est une bête assoiffée de sang. Et il a reçu l'ordre, mes amis, pour vaincre. C'est-à-dire, Dieu lui a donné un temps pour vaincre. Oh, chrétien, si vous saviez ce que c'est la vie chrétienne, vous qui êtes troublé quand un frère est critiqué, vous qui êtes angoissé quand quelqu'un... Mais vous lisez quelle Bible, mes amis? On n'est pas encore décapité aujourd'hui. On n'est pas encore lapidé physiquement. Je suis convaincu que si aujourd'hui un prophète était lapidé physiquement, beaucoup des chrétiens d'aujourd'hui qui sont endormis diraient, c'est un pécheur. Vous avez vu sa mort? Ils sont là, prêts à sauter sur les morts, sur la mort des chrétiens pour aller dire Dieu l'a frappé, Dieu les a frappés, Dieu. Tout est mélangé à leur tête. Ce sont des gens qui viennent semer la distraction. Et ils sont au service du premier cavalier. Ils sont au service de la bête. Et là, mes amis, Jean nous dit aussi que cette bête, mes amis,
va vaincre. Il lui fut donné une bouche qui proférait des discours pleins d'orgueil et de blasphème. Et les Césars ont fait des dégâts chez les chrétiens, mes amis. Et quand l'Empire romain a cessé, mes amis, d'exister, comme c'était un esprit qui dirigeait ces empereurs romains, cet esprit du premier cavalier, l'Antichrist, regardez ce que Jean dit. La parole nous dit que cet esprit, mes amis, va s'incarner dans, n'est-ce pas, l'église romaine avec la papauté. Mais regardez bien, mes amis, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean. Chapitre, mes amis, chapitre 1er, pardon, 1 Jean 1, 18. Petits enfants, c'est ici la dernière heure, la dernière heure. Jean insiste sur la dernière heure. C'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alléluia. Regardez 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 après. Donc c'était 1 Jean 1, 18. Ah, ce que je viens de lire là, c'est 1 Jean 1, 18. Ah, c'est 2, 18. Ok, effectivement, Paul, merci. 1 Jean 2, 18, effectivement. Et regardez dans 1 Jean chapitre 4. Donc c'est 1 Jean 2, 18, effectivement, petits enfants, c'est la dernière heure, voilà. 1 Jean 4, verset 1er. Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont, car plusieurs faux prophètes sont venus dans. Voilà. Reconnaissez à cette marque l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, mais c'est l'esprit de dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà. Ah, on nous dit, ma maman Fatia, que l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Vous vous rendez compte? Donc déjà à l'époque de Jean, nous sommes au premier siècle, le premier cavalier, son esprit avait déjà été envoyé. Viens et vois, et il voit, Jean voit ce cavalier qui était. C'est quand vous voyez, quand on parle des sceaux, quand on parle des premiers cavaliers, les quatre premiers cavaliers là, quand on parle des quatre premiers cavaliers, comprenez que c'est d'abord quatre esprits. D'accord? Qui sont amenés, bien sûr, à se matérialiser dans les hommes. Mais c'est d'abord les esprits qui opèrent. Donc, Jean nous apprend que l'Antichrist viendra. Et il dit, mais présentement, il y a plusieurs Antichrists qu'il nomme aussi faux prophètes. D'accord? Ils viennent à nous en vêtements de brebis, mais ce sont des loups cruels, dangereux. C'est-à-dire qu'ils ont une apparence pieuse. Quand ils prêchent, quand ils dénoncent le péché, parfois ils pleurent, soi-disant parce qu'ils souffrent, parce qu'ils veulent voir les chrétiens éclairés. Mais en fait, ce sont des pleurs de crocodiles, de larmes de crocodiles, parce que ce sont des méchants, ce sont des envoyés de Lucifer. Ils ont l'esprit du premier cavalier. Ce sont des gens qui combattent véritablement les frères. Et là, mes amis, écoutez bien l'enseignement. Jean l'apôtre, le prophète de Dieu, nous dit qu'il y a déjà plusieurs antichrists, c'est-à-dire l'esprit de l'antichrist qui était déjà là, le premier cavalier, se matérialisait, agissait dans la vie des faux prophètes de l'époque. Donc son esprit opérait via les faux prophètes. C'est pour ça qu'il dit que son esprit est déjà là. Mais lui-même n'est pas encore là, il viendra. Mais son esprit opère déjà. Et quand il parle de l'opération de son esprit au premier siècle, il parle aussi de la mise en place du système antichrist, des lois antichrist, des lois de l'esprit du premier cavalier. Et laissez-moi vous dire, l'antichrist, il est contre Christ. L'antichrist, c'est celui qui veut mettre en place cette église, qui se lève contre Christ. C'est celui qui veut mettre en place ses lois, ses doctrines impies qui s'élèvent contre le Seigneur. Et bien sûr, son système est déjà là depuis. Et maintenant, mes amis, ce premier cavalier va devoir
se matérialiser. C'est le fils préféré de Lucifer. C'est la postérité du serpent dont il est question dans Genèse 3.15, quand Dieu disait, n'est-ce pas, au serpent, « Et je mettrai, moi Dieu, inimitié entre toi, le serpent, et la femme, c'est-à-dire Israël, entre ta postérité à toi, le serpent, c'est-à-dire l'homme impie, l'antichrist, le fils de la perdition, le méchant, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. » Et Yeshua dit qu'il va y avoir une inimitié entre Israël et cette postérité ou encore le premier cavalier. Et rappelez-vous bien, on nous dit qu'on lui a donné une bouche pour blasphémer. On lui a donné une bouche, mes amis, pour sortir des propos très, très orgueilleux. Et c'est exactement ce qui se passe, mes amis, aujourd'hui. Et le premier cavalier, comme je vous dis, opère. Il opère parce qu'il a mis en place plusieurs religions qui fusionnent de plus en plus. Et vous avez vu tous ces religieux, tous ces intégristes qui vont s'exploser, qui vont mettre des bombes ici et là, que ce soit des intégristes musulmans ou soi-disant chrétiens, mes amis, ou encore hindous, parce qu'on en parle très peu, ou encore bouddhistes, on en parle très peu. Ça existe. Des intégristes hindous, bouddhistes, qui mettent des bombes en Asie, tout ça là. Mes amis, et on voyait cet esprit de l'antichrist qui opère parce qu'il vient pour vaincre. Et laissez-moi vous dire, chrétien, nous parlons de la prophétie biblique. Nous parlons de plus en plus de l'avènement de Yeshua. Le maître est en train de revenir à grands pas et le combat ne fait que commencer. Ah oui. Jean a vu cet être. Il a vu cet esprit. Il a vu ce cavalier bien assis sur son cheval. Et quand l'agneau eut ouvert l'un des seaux, je regardais et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme avec une voix de tonnerre. Pourquoi une voix de tonnerre? Parce que quand on entend les coups de tonnerre, mes amis, on ne peut pas rester endormi, hein. On ne peut que s'éveiller, se réveiller parce qu'on est secoué. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il regardait et il voit un cheval blanc. Regardez bien. Allons voir d'abord ce cheval-là. On nous dit que ce cheval était blanc. Et regardez la similitude avec le cheval sur lequel Yeshua va s'asseoir. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval comment? Blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et il juge et combat avec eux. Vous voyez? Il est question de Yeshua. Mais regardez, avant que le cheval blanc de Yeshua ne paraisse, il y a un autre cheval qui va arriver. Et il est aussi blanc. Alors pourquoi blanc? On nous dit que Satan se déguise en ange de lumière pour séduire les gens. Donc, vous voyez, il a choisi le même cheval que Yeshua. En fait, la même couleur, Paul. Et regardez tous ces religieux qui s'habillent, qui aiment aussi s'habiller en blanc. Quelle est cette religion, mes amis, qui s'habille souvent, où les prélats s'habillent souvent en blanc? Quel est ce représentant de soi-disant tous les chrétiens du monde entier qui s'habillent plus en blanc qu'en noir? Ah ah! Voyez aussi beaucoup de musulmans. Hein? Non, tu peux prendre le micro, maman Fatia. Vous voyez, écoutez bien. En fait, maman Fatia. Les musulmans aussi s'habillent en blanc le vendredi. Voilà. Le vêtement blanc ici, n'est-ce pas? Satan l'a utilisé. En fait, Satan a dit au premier cavalier, à son fils, prends la couleur blanche. Parce que, comme leur Dieu, n'est-ce pas, aime la blancheur. Vous vous rappelez quand Yeshua a prié sur la montagne de la transfiguration, ses vêtements étaient devenus blancs comme de la neige. Alors Satan dit, pour avoir les chrétiens, pour les séduire, prends le cheval blanc. Ils ne verront que du feu.
Voilà pourquoi la première religion de la terre met l'accent sur des vêtements blancs. Et aussi des musulmans qui s'habillent en blanc le vendredi pour aller à la prière. Et pour la Mecque, hein? Même pour la Mecque. Vous avez vu toute cette blancheur-là à la Mecque? Voilà. Parce qu'il a toujours voulu ressembler à Dieu. C'est un, il singe Dieu, n'est-ce pas? Et donc, et c'est terrible de voir, mes amis, et imaginez, cette blancheur-là peut aussi être définie comme étant cette, mes amis, fausse lumière qui peut éblouir certains. Cette apparence, effectivement, de la piété, mes amis, ils ont l'apparence de la piété, mais ils le renient, ce qui en fait la force. C'est-à-dire la blancheur aussi, c'est la pureté aussi. La pureté, voilà. L'innocence, n'est-ce pas? Voilà, comme la colombe blanche que Noé avait lâchée, voyez? Et c'est ça, comment Satan est déguisé, comment il aime se déguiser. Donc, le premier cavalier, nous dit la Bible, a, n'est-ce pas, ce cheval blanc, il est assis sur ce cheval blanc. Et on nous dit que celui qui était monté dessus avait un arc. Vous voyez? Un arc. Regardez ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6. Est-ce que ça vous intéresse tout ça? Oui, Éphésiens chapitre 6. Allons voir rapidement. Verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle, contre les spirituels qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez donc fermes, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la et ayant vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du les dards. C'est quoi un dard? Ce sont des flèches, de bouts de flèches. Donc vous comprenez? On le tire avec quoi? Avec un arc, Paul. On va donner le micro, Paul, s'il te plaît. Et les dards sont empoisonnés. Les dards sont empoisonnés. Donc on nous endort. Ah. Et si on nous endort, on nous pollue. Ok. Donc vous comprenez, mes amis, pourquoi le premier cavalier, l'antichrist, se sert d'un arc. Regardez, il vient vers vous avec son cheval blanc, avec son habit blanc. Il vous séduit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il vous balance un dard, ce trait enflammé, avec son arc. Et le trait enflammé, si vous n'avez pas de bouclier, le trait enflammé, on va vous montrer l'image ici. Regardez, pour illustrer. Mes amis, vous avez vu? Voilà les dards. Voilà les dards. Le dard, c'est un venin. C'est du venin. C'est du venin. Hein, c'est du venin, effectivement, ouais, c'est un venin. C'est un venin. Et si vous n'avez pas ce bouclier comme ce dessin là, mes amis, eh ben vous êtes finis. Mm-hmm. Voyez? Et là, le cavalier, justement, vient avec plein de dards et il balance. Et à la tête de ce dard là, il y a comme un feu, comme vous avez vu là, un feu, le feu étranger. Mm-hmm. C'est la convoitise. C'est l'impudicité, c'est la cupidité, c'est l'orgueil. Et ça vient, si vous n'avez pas de bouclier, et ça atteint quoi? Le cœur. Ah, si vous n'avez pas de casque, ça atteint quoi? La tête, les pensées. Vous voyez, non? Voilà. C'est pour cela, mes amis, l'Église, écoutez bien le message, avant l'enlèvement, pour mener correctement ce combat, on a besoin de l'armure du combattant. On a besoin du bouclier de la foi. Or, notre génération fait tout pour détruire la foi. Tout est fait pour que notre foi soit détruite. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont exposés. Beaucoup de pasteurs sont exposés. Ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de bouclier et ils sont fléchés par l'ennemi. Et le premier cavalier, l'antichrist, arrive à les enrôler dans son royaume. Il les enrôle facilement, ils sont atteints par les dards de l'ennemi, mes amis, et il vient avec des flèches, plein de flèches.
mes amis. Et vous savez, à l'époque où ce livre était écrit, les villes étaient fortifiées. Il y avait plusieurs entrées et il y avait aussi ce qu'on appelle les tours de garde, sur lesquelles se tenaient des sentinelles et qui devaient donner l'alerte s'il y avait une armée, n'est-ce pas, étrangère qui venait pour assiéger cette ville. Et une fois que l'alerte était donnée, en fait, les soldats se positionnaient tout autour de la muraille et avec leurs flèches, ils balançaient, ils tiraient sur l'ennemi. Et l'armée adverse devait se protéger avec des boucliers. Et l'Antéchrist, mes amis, agit de la même manière. Et regardez ce que la parole nous dit. Celui qui était monté dessus avait un arc et il lui fut donné une couronne. Une couronne. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est quelqu'un. Qui sont ceux qui portent des couronnes? Donc, l'Antichrist est aussi un roi. C'est un roi. Vous voyez, non? Et c'est pour cela, on nous dit dans Apocalypse 13 que la bête a aussi des couronnes. Et on nous dit, on nous dit qu'il a combien de cornes? 10 cornes. Et dans Daniel chapitre 8, verset 20, les cornes représentent les royaumes. Donc, c'est un roi. Il viendra comme le roi des rois pour lui. Il va se présenter comme le roi des rois. Et beaucoup, presque tous les rois vont le suivre. Donc ce soir, nous voulons faire juste une introduction sur le premier cavalier. Demain, on va aller en profondeur avec les images. Nous allons vous montrer comment ce premier cavalier fonctionne, comment il travaille, le fonctionnement de l'Antichrist. Chrétiens, l'heure est grave. Je vais vous dire une chose. Savez-vous pourquoi il y a tout cet attentat? Savez-vous pourquoi il y a toutes ces fusillades? Ordo, ab, chaos. Voilà. Faire émerger l'ordre du chaos. Ordo, ab, chaos. En fait, il faut le chaos. C'est pour vous montrer que tout ce que vous voyez là, c'est l'antichrist qui procède, qui travaille. Il faut le chaos. Les gens sont en panique. Et on vient proposer des lois. Et le royaume du premier cavalier est instauré et mis en place. Le nouvel âge. Le new age. La religion de l'homme impie. Que les gens de la religion du new age appellent le maitreya. Donc demain, on va développer sur la religion de l'homme impie. Le new age. Comment ils opèrent avec la musique paganisée. Comment ils ont contaminé, n'est-ce pas, cette religion a contaminé la plupart de vos églises. Comment cette religion a réussi à rassembler tous vos pasteurs pour faire partie d'une grande coalition pastorale qu'on appelle fédération ou encore pastorale. Comment ce premier cavalier avec ses dards, avec ses fléchettes, a réussi à séduire vos papes, vos bishops, vos prêtres, tout ce monde-là. L'heure est grave, mes frères et sœurs. Les enfants de Dieu. L'heure est grave, est très grave, plus grave que vous ne le croyez. Le Maitreya est déjà là, c'est-à-dire l'homme impie. Et ce soir, c'est juste l'introduction par rapport à cette nouvelle émission concernant le temps d'adoration et aussi d'enseignement de temps prophétique sur la prophétie biblique. Frères et sœurs, pour finir, on nous dit qu'il a une couronne. Ça veut dire que quand on donne une couronne à quelqu'un, ça veut dire qu'on lui reconnaît des mérites. Ça veut dire que cet homme va être reconnu comme un grand homme par le monde. Toute la terre, pratiquement, nous dit la parole. Va le suivre. Et on nous dit qu'il est sorti en vainqueur et pour vaincre. Il n'est pas sorti, mes amis, comme un faible. Il est sorti en vainqueur. Et il attendait ce temps-là. Et comme je vous disais, son système est déjà là. Il est déjà presque là. Mais il ne peut pas véritablement, mes amis, asseoir totalement son pouvoir parce que l'Église est encore là.
Et on peut vraiment bénir le Seigneur pour sa grâce, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Regardez ce que Paul nous dit, notre grand frère, dans 2 Thessaloniciens. J'espère que ça nous fait du bien tout ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 2. À partir du verset 1er. Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion en lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser subitement ébranler dans votre entendement, ni troublé par une inspiration, ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, donc c'est lui, le premier cavalier, on l'appelle l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé. Tu vois, maman Fatia, quand Paul a écrit cette lettre, cet homme n'était pas encore révélé. Parce que, mes amis, il fallait que Jean aille au ciel. N'est-ce pas? Et cet homme, Paul dit qu'il faut qu'il soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu. C'est l'opposant de Dieu. Ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir hein, comme Dieu dans le temple, se proclamant lui-même être Dieu. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Vous voyez bien que le premier cavalier, Mama Fatia, non seulement qu'il est roi, c'est-à-dire il agit sur le plan politique, mais il est aussi, n'est-ce pas, le roi de l'Église unifiée. Il est aussi le roi de la religion mondialiste et mondiale. Et qui est cet homme sur terre aussi qui joue ces deux rôles à la fois? C'est bien sûr qui est ce système papal. Vous voyez mes amis? Écoutez bien, il est à la fois le roi de son royaume, le Vatican, qui est vraiment une nation, et aussi le roi, n'est-ce pas, de l'Église. Mais ça, il y a aussi un autre qui est derrière, bien sûr, et qui va se présenter véritablement sur le plan international. Et on nous dit ici que il se proclame lui-même être Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il soit révélé en son... Car le mystère de l'iniquité opère. En fait, il travaille, il opère ce mystère. En fait, on va parler aussi en profondeur du mystère de l'iniquité. C'est une femme qui est assise sur l'épha, sur un épha, dans l'espace, dans Zacharie. On en a déjà parlé, mais là, on va rentrer encore dans les détails. Et qu'est-ce qu'on apprend encore? On nous dit, mes amis, que le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. C'est-à-dire l'Église. Et alors, paraîtra. Et alors sera révélé le méchant ou encore l'impie. Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et regardez mes amis, écoutez bien, on nous dit que l'avènement de cet impie, de ce méchant, se fera comment? Par la puissance de Satan. On a vu que Satan lui a donné son trône, sa puissance et une grande autorité. Donc il sera révélé. Et on nous dit que c'est par la puissance de Satan. Alors puissance ici c'est énergia, qui signifie aussi fonctionnement. C'est-à-dire l'homme impie vient avec un fonctionnement. Et on le voit déjà dans nos églises, dans nos pays. Et qu'est-ce qu'on entend? Et on nous dit, mes amis, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'iniquité soient condamnés. C'est-à-dire, il vient aussi avec un esprit d'égarement et beaucoup s'égarent. Pourquoi? Parce qu'il les a touchés avec ses dards. Il les a touchés avec ses fléchettes et il arrive à les égarer. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui prêchaient la sainteté, qui prêchaient la sanctification, s'associer avec des faux prophètes parce qu'ils veulent simplement remplir leur bâtiment. Alors, si c'était des vrais prophètes, ils n'ont pas compris qu'ils avaient plutôt intérêt à suivre le Seigneur plutôt que de s'attacher au bâtiment. Au lieu de prêcher la sanctification, ils ont préféré commencer à parler plus d'argent. Mes amis, ils ont changé leur fonctionnement. Ils sont rentrés dans un fonctionnement qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir, regardez bien,
Satan est en train de rassembler ses élus. C'est pour cela que vous allez voir de plus en plus des gens se mettre, des prophètes se mettent ensemble, tout ça. Des gens qui étaient isolés, qui étaient solitaires comme prophètes, ils commencent à devenir de plus en plus, mes amis, associés. En fait, c'est psaume 2. C'est l'association de Hérode et Pilate. Et là, on nous dit que c'est grâce à la présence de l'Ecclésia que l'homme impie. Parce que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. C'est grâce à l'Église, à la présence de Dieu au travail de l'Église, que le monde a encore un peu de goût. Parce que l'Église est le sel de la terre. Alléluia. Maintenant, mes amis, son système est déjà là. Regardez ce qui se passe. On a suivi il n'y a pas longtemps la COP 21 qui nous parlait, de problèmes climatiques. Vous avez vu, tous se sont unis pour bâtir un même royaume. C'est Genèse 11. Ils ont le même projet. Tous. Le gouvernement mondial. Pourquoi? Parce que le cavalier travaille dans les coulisses. Le premier cavalier est en train de donner des ordres. Il y a un chef qui dicte, qui dit voilà comment vous devez vous organiser. Faites tout pour détruire la foi chrétienne qui croit en un seul Dieu. Voilà pourquoi il a introduit la Trinité dans les églises depuis le quatrième siècle. Depuis le premier siècle, pardon, avec Tertullien. Il a travaillé. Faites tout pour détruire la foi chrétienne et introduisez la Trinité pour que les chrétiens croient qu'il y a trois personnes en Dieu. Comme ça, ils vont s'habituer à croire en plusieurs dieux. De sorte que quand je viendrai, ils vont pouvoir adorer des démons, des statues, adorer des images. Et de ce côté-là, il a réussi. C'est pour cela qu'on a dit qu'il est venu pour vaincre. Oh, chrétiens, l'heure est grave. On nous dit que le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche. Et regardez, dans Ésaïe 11. Ça vous intéresse tout ça? On a presque fini. Alléluia. Il faut que ses œuvres soient dévoilées. Regardez mes amis. Mais il sortira. J'aime cette parole. Écoutez bien ici. Écoutez, il y a une parole prophétique ici. Regardez dans Ésaïe 10. 10 d'abord. Regardez le verset 33. Écoutez bien ici. Il y a une pensée prophétique. Voici le Seigneur Yahweh des armées brise les rameaux avec force. Les rameaux, on sait ce que c'est. Alléluia. C'est quoi prophétiquement les rameaux? Nous sommes qui nous? Yeshua est la vigne, nous sommes des sarments. Donc si nous sommes des sarments, il y a d'autres sarments qui ne sont pas greffés sur l'arbre qui est Yeshua. Donc les autres sarments, ce sont les hommes de ce monde. Et en fait, qu'est-ce qu'on apprend? On nous dit, il va briser ses sarments avec force et ceux qui sont les plus hauts élevés seront coupés. Et les hauts montés, c'est-à-dire les arbres, tout ça, seront abaissés. Et il taille avec le fer les lieux les plus épais de la forêt. Et le Liban tombe sous le puissant. Et on nous dit ici, Maman Fatia, que Yeshua, Yahweh, quand il va revenir, Yahweh est en train de raser, il va raser tous les arbres de la forêt. Ces arbres-là, c'est le monde. Ces arbres-là représentent les royaumes de ce monde. Nebuchadnezzar dans Daniel était présenté comme un arbre. Vous vous rappelez, non? Alléluia! Voilà. Et on nous dit que ces royaumes seront rasés. Tous les arbres seront rasés. Mais il y a un arbre qui ne pourra pas être rasé, même s'il est coupé, c'est Israël. Coupé. Mais au chapitre 11, on nous dit, « Mais il sortira un rameau du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. » Jesus Christ. Il est question de l'arbre royal. Il est question de la vigne ici. C'est le royaume. Alléluia. Et on nous dit, l'esprit de Yahweh reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de... Il respirera la crainte de Yahweh. Il ne jugera pas sur les apparences. Et il ne reprendra pas sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec eux. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Et il frappera la terre par la verge de sa... Et il fera mourir le... Comment? Par le souffle de ses lèvres. C'est l'antichrist ici. Par le souffle de ses lèvres. Il est question du roi des rois. Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Donc vous voyez mes amis, l'antéchrist a assis son gouvernement mondial déjà.
nous sommes dans une génération très excitée. Nous sommes excités. Pourquoi ? Parce que c'est une génération, mes amis, très excitante. Parce que nous sommes en train de voir de nos propres yeux la mise en place, l'instauration du royaume de l'impie. Et il se trouve que, mes amis, nous nous retrouvons dans la même configuration que le prophète Élie avec la mise en place du gouvernement d'Akab, de Jézabel. Et mes amis, nous sommes dans la même configuration, mes amis, que Élie, où les prophètes de Baal et d'Achéra avaient pignon sur rue. Et là, Dieu va oindre Élie de manière particulière pour défendre la sainte doctrine, pour défendre la vérité. Et là, mes amis, le premier cavalier a mis en place son royaume. Et je vous assure, ça va être terrible. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Ça va de plus en plus exploser ici et là. Chaque semaine, il y a au moins un attentat. Chaque semaine, il y a au moins des fusillades. N'en parlons pas de famine. N'en parlons pas de tous ces troubles. Tout ça pour asseoir le gouvernement mondial. Écoutez bien, dans les prochains jours, il y a une crise qui va frapper le monde. Je dis bien une crise sans précédent. Notez bien cette prophétie. Dans les prochains jours, vous allez entendre dans les journaux, lors des émissions télévisées, tout ça, qu'une crise sans précédent, une crise majeure, mondiale, globale, frappe la Terre. Ça va être terrible. Je dis bien dans les prochains jours. Vous devez savoir que Yeshua est déjà prêt avec tous les anges qui vont descendre avec pour venir nous chercher. Vous devez savoir que la table des noces est déjà prête. Vous devez savoir que les anges ont déjà mis en place les assiettes, toutes les couverts, tout ça là. Et on n'a plus de temps. Et cette crise-là, on va le voir dans les prochains jours là. On va l'annoncer. Elle est déjà là, mais on n'ose pas trop en parler. Elle est déjà là. Ça va être terrible. Et quand cette crise va frapper, mes amis, des gens vont se suicider. Des gens vont perdre leurs emplois. Des couples seront brisés. Des enfants seront, mes amis, éparpillés. Et c'est alors que vous allez commencer à entendre. Là, qu'il faut impérativement et rapidement une réunion, n'est-ce pas, de G20 et de G8, G7, G8, pour organiser rapidement l'instauration, la mise en place d'un gouvernement mondial. Avec une banque unique, avec une monnaie internationale, tout ça. Vous allez entendre ça rapidement là. Donc, ça va être, mes amis, écoutez bien s'il vous plaît. On n'a plus de temps à perdre dans les distractions. Oh, un tel a dit ci, un tel, on n'est plus dans tout ça là. Fini. Dieu me montre des démons géants qui sont positionnés sur les quatre coins du globe. Des guerriers, ce sont les démons, des guerriers, terribles. Ils sont positionnés. Je vois des chevaux sur lesquels ces guerriers sont. Ils attendent maintenant de recevoir officiellement et visiblement le premier cavalier qui est déjà sorti, son esprit est déjà sorti. Les sceaux sont déjà ouverts, comme vous le savez. Les trompettes ont déjà retenti. Il reste seulement la septième trompette. Et là, l'image que je viens de voir, là, c'est terrible. Ces démons qui attendent leur chef, le Maitreya, le faux Christ, l'imam Mahdi, le cinquième Bouddha, Krishna. Et là, bien sûr, l'Église ne sera plus là. C'est pour cela, mes amis, l'enlèvement est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, mon fils, je ne veux plus que tu fasses des émissions comme tu faisais avant, avec des gens qui vont être à tes côtés et qui vont enseigner tout le temps. Vous me direz, mais ce soir, c'est quoi ? C'était juste une réunion de la jeunesse, donc qui a été rallongée. Mais le Seigneur ne veut plus que plusieurs autres personnes viennent enseigner parce qu'ils vont se faire connaître par des frères et sœurs. Demain, ils vont commencer à vouloir les dépouiller, les attirer à eux et non les amener vers le Seigneur.
Dieu me dit, tu vas être seul et tu vas crier, tu vas sonner la trompette. Il m'a dit, c'est toi que j'ai appelé, ce ne sont pas les autres. Ils ont leur appel, il dit, c'est à toi que j'ai confié cette charge-là. Et je ne veux pas être jugé par le Seigneur parce que je n'aurais pas rempli correctement cette mission. Parce que ceux qui pouvaient être à côté pouvaient être dans les sentiments quand il fallait dénoncer le mal, alors qu'ils m'ont trouvé dans la dénonciation, ils commençaient à vouloir dire, Dieu nous a dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Vous êtes venu me trouver dans ce message. Je ne changerai pas. Frères et sœurs, le Seigneur m'a dit de nouveau, je te dis de sonner le chauffard, tu dois le faire. Attirer l'attention des hommes et des femmes sur la parole, sur la vérité. C'est pour cela que le message n'est pas, nous ne sommes pas en train de vous dire, venez prier dans telle, allez prier dans telle assemblée. C'est pour ça que les frères et sœurs auprès de qui Dieu peut nous envoyer pour apporter la parole, nous leur disons, allez vers Christ. Nous sommes solitaires, nous voulons vous encourager parce que nous sommes frères et sœurs, nous sommes une même famille, issus d'une même famille, d'un même père. Et le message est urgent. Les démons territoriaux ont pris position aux quatre coins du globe. Ils sont sur leurs chevaux et ils attendent la manifestation visible du premier cavalier qui viendra avec un discours séduisant. Et beaucoup vont le suivre. Beaucoup. La terre est enfin prête pour recevoir cet individu. Et c'est pour cela, frère, vous devez comprendre que le départ des saints est plus qu'imminent. Il est minuit. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit cette émission-là, c'est le thème, c'est « Il est minuit ». Voici l'agneau. Voici l'époux. Voici le lion. Voici le maître. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Il y a un problème avec le standard. La lumière est rouge. Demain, nous allons développer. Ça, c'était l'introduction. On va développer sur le premier cavalier. On va vous montrer quelques images. Comment il opère dans l'esprit. Comment il a mis en place sa religion, le New Age. On va vous en parler. Comment il a mis en place les doctrines de Lucifer. Comment il a détruit beaucoup de foyers en envoyant des fléchettes de sexe pour détruire des pasteurs qui divorcent et qui se remarient. Je ne sais pas si c'est réglé. Allô, bonsoir. On entend mal. Allô. Donnez-moi le portable. Donnez-moi le standard ne marche pas. On va faire avec les moyens du bord. Merci Seigneur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir frère Gérard. Oui. Oui, c'est la sœur Vénus. Okay. Oui, je ne voulais pas appeler, ça fait plusieurs semaines, mais là, à entendre ce que vous dites, l'esprit me pousse à vous appeler pour vous faire part de ce que le Seigneur m'a montré en fait. Je suis émue en vous parlant. Il y a quelques semaines, le Seigneur, c'est lui-même qui parlait en fait, c'est un songe, c'est lui-même qui parlait et il disait, êtes-vous prêts? Il a répété plusieurs fois, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Je viens comme une mère qui vient chercher ses enfants, êtes-vous prêts? La dernière église. Et après, il y a eu dans le ciel des chiffres qui dégringolaient du ciel, le compte à rebours avait été mis en place. Les chiffres dégringolaient et il a répété « Êtes-vous prêts ?» Et je me suis réveillée, il était 5h30 du matin. Ensuite, allô ? Oui. Oui, voilà. Ensuite, le Seigneur m'a montré trois songes où vous êtes seul en fait, où vous marchez seul.
Vous marchez seul, dans une vision, vous marchez seul à grande vitesse. Vous étiez dans une ville et vous aviez quitté une ville pour aller dans une autre ville. Vous aviez comme sur l'épaule comme une caméra et vous prêchiez la parole tout, et vous étiez tout seul. Et vous marchiez vite, vous alliez de ville en ville et vous prêchiez la parole et vous étiez tout seul. Le deuxième songe, vous étiez dans une réunion de réveil en fait. Vous êtes venu dire aux disciples que c'était terminé, que c'était la dernière. Les disciples n'entendaient pas cela et ils vous disaient prêchez, prêchez. Mais vous aviez un grand sourire et vous leur disiez mais c'est fini, c'est terminé, c'est la dernière. Et je me suis réveillée. Et le troisième songe, nous nous sommes retrouvés une dizaine de personnes dans une salle de classe et c'est vous qui nous enseignez la parole. Et avant d'enseigner la parole, vous avez distribué à deux ou trois personnes la BJC. Et après l'enseignement, nous sommes montés dans un bus et c'était vous qui étiez le chauffeur du bus. Vous nous avez ramenés à destination et quand nous sommes descendus, il y a un deuxième groupe qui montait. Donc j'ai dit à une personne qui descendait du bus avec moi, mais où est-ce qu'ils vont ceux-là? Et la personne m'a répondu, mais eux aussi ils vont à l'enseignement. Et vous étiez seul, il y avait personne avec vous. Et j'étais vraiment j'étais contente parce que je disais au Seigneur, il est tout seul, mais tu pourvois en fait, Seigneur, parce que avec ce grand bus, tu lui as donné ce grand bus et tout seul, il travaille tout seul en fait. Donc vous n'aviez personne autour de vous. Et il y a quelques jours, quand j'ai regardé une émission, vous expliquiez pourquoi est-ce que le Seigneur vous a demandé, vous a appelé tout seul. Et que vous deviez maintenant marcher tout seul, en fait, parce que le Seigneur vous a appelé tout seul. Gloire à Dieu. Voilà, je voulais vous partager cela. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alors, vous voyez, mes amis, c'est vraiment l'heure, hein, j'arrive, c'est vraiment l'heure, parce qu'il est minuit, presque. Il est minuit, presque, et il n'y a plus de temps. C'est pour cela, mes amis, ne laissez aucune église vous égarer du Seigneur. Ne laissez aucun chrétien, aucun pasteur, aucun prédicateur vous distraire. Oh non, c'est fini. Fini. Quelqu'un ne veut pas suivre le Seigneur, c'est son problème. Vous continuez votre marche. Voilà, c'était juste une introduction ce soir. Et oui, Thierry, tu voulais. Je voulais juste compléter ce que la dame vient de dire. Ce matin, je suis tombé sur l'une de vos vidéos, je pense que c'était en 2012 ou 2013, et une personne était en train de vous dire qu'il vous voyait en train de suivre. Vous marchiez seul avec votre Bible à la main et vous étiez en train de suivre le Seigneur devant. Il y avait des objectifs à atteindre et à chaque fois, vous étiez en train de foncer seul. Voilà, je voulais juste compléter. D'accord, gloire à Dieu. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Je voulais partager à propos de ce que le frère disait. D'accord. C'est par rapport à des rêves, des révélations que j'ai eues de la part du Seigneur. Donc, par rapport à la persécution, en fait, ma voix est un peu enrouée, donc... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Allô? Oui, oui, allez-y. Je suis en ligne? Oui, tout à fait. Oui, en fait, je voulais partager en fait, par rapport à des rêves que j'ai faits par rapport à la persécution des chrétiens. Plusieurs fois, récemment, le Seigneur m'a montré que les chrétiens allaient se faire être beaucoup persécutés. Le fait que je me souviens qu'on était quelque part, on était plusieurs à prier. Et des personnes se sont... Allô? Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Non, c'est par rapport à la persécution des chrétiens. Je voulais dire qu'on va être beaucoup persécutés parce que c'est par rapport... je ne sais pas si je peux le dire. Enfin, je suis un peu... Je n'ai pas l'habitude, excusez-moi. Ok, donc en fait, on a compris le message. On va être beaucoup persécutés. Et bah, ça confirme en fait ce que le Seigneur est en train de nous annoncer déjà dans les Écritures. Et puis, fait, c'est une minorité qui va nous persécuter en fait. Je me souviens, ils s'approchaient de nous, ils nous demandaient « Est-ce que vous êtes chrétien ?» Et lorsqu'on disait qu'on était chrétien, bah, ils voulaient nous tuer en fait. Je me souviens, une fois il y avait mon mari et ma fille et ils ont demandé « Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour Jésus ?» Et on a dit oui. Et après, ils ont pris ma fille dans mes bras et ils ont... donner une âme à mon mari pour lui dire ben, si vous êtes prêt à mourir pour Jésus, ben, regardez ce qui va vous arriver. Et mon Mila, il voulait que je regarde la scène, que j'assiste à la scène. C'était vraiment terrifiant. Je me suis
réveillant, pleurant avec la chanson qui disait « Je veux voir ta gloire, prêt à payer le prix ». C'est comme si c'était la voix des anges qui chantaient et tout. J'avais vraiment peur, j'ai prié le Seigneur, je disais qu'il m'accorde sa paix, parce que je lui disais qu'il me donne de la force pour pouvoir tenir, parce que c'était vraiment terrifiant le rêve que j'avais fait et tout. Ouais, il faut se préparer. Il faut se préparer. Plusieurs fois, je fais des rêves et récemment, il m'a montré par rapport à la bête. Il m'a révélé qui est la bête et tout, donc il est déjà là. Donc, il se fait adorer par des milliers de personnes. Donc, c'est ce que je voulais partager. Nous devons nous préparer parce que plusieurs fois, je fais des rêves. Je disais ça à mon mari, il m'a dit, ouais, si plusieurs fois tu fais des rêves comme ça, c'est que ça doit être proche, la persécution. Avant, je ne faisais pas ce genre de rêves. Et plusieurs fois comme ça, je fais des rêves que les chrétiens sont persécutés. Ils nous demandent, est-ce que vous êtes des chrétiens? Dès qu'on disait qu'on était des chrétiens, ben, ils voulaient nous tuer. D'accord. En tout cas, demain vous pouvez appeler, hein, vous tous qui nous suivez ce soir, pour intervenir, pas de problème. Et donc, on a compris le message, ma sœur, en tout cas, que Dieu soit béni. Et bon courage, merci. Au revoir. Voilà, mes amis, donc ce soir, c'est juste une introduction. Que Dieu soit béni, en tout cas, pour votre fidélité, pour votre patience. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège. On a compris, hein, pas de distraction ici et là. Oui, une petite question. On va te passer le micro parce qu'on n'entend pas. Les frères et sœurs chez eux n'entendent pas. Oui, donc en fait, je voulais savoir, nous, on sera enlevés avant l'homme impie, en fait. Avant l'homme impie. Il y a des gens qui nous disent que, en fait, avant la grande tribulation. Parce que Paul nous dit qu'on verra, hein, l'homme impie dans 2 Thessaloniciens 2. On va le voir de nos yeux. Déjà, on voit ce système. Oui. D'accord? Oui. Mais tout après, on va partir. De toute façon, il est déjà là. Oui, mais quand tu disais qu'il y avait les 4 démons et qu'ils attendaient l'antichrist. Attendez juste 2 secondes, ma sœur. Ouais. L'antichrist. Nous, lui, on ne va pas le... En fait, Paul nous dit... On le voit déjà, oui. On le voit déjà, on voit déjà son système. Paul nous dit qu'il faut qu'on le verra. Mais en tout cas, son système est là. Oui. On le voit. Et on voit aussi, bien sûr, ses émissaires. Et une chose est sûre, c'est qu'il est déjà là. Hein, il est déjà là. Donc, on voit, hein, c'est sa manifestation. Mais par contre, on ne verra pas on ne vivra pas la grande tribulation. Ça, de toute façon, pendant les enseignements, on va développer ces choses-là. Oui. Voilà. Merci. Gloire à Dieu. Alors, une dernière personne, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chourin. Oui, vous nous appelez depuis le Canada, les États-Unis? Oui, j'appelle depuis le Canada, ouais. Au fait, premièrement, moi, j'étais d'abord bénie, j'étais guérie quand vous étiez ici. J'avais envie de témoigner, mais malheureusement, je n'avais pas encore eu les papiers, donc voilà. Tu souffrais de quoi? Ah, parce que quand vous étiez ici, je pense qu'il y a en 2015, je pense, 2014 ou 2015, en novembre, décembre, il y avait des trompes qui étaient... J'avais plus de trompes, en fait. Tu n'avais plus de trompes? Ouais, j'avais plus de trompes. Donc, vous avez prié pour moi. Et c'était juste une petite prière donc, que vous avez fait le jour-là, je me rappelle. Et après, quand je suis retournée chez le médecin pour aller faire d'autres examens, et le médecin m'avait dit, mais t'as fait quoi? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a regardé 5 fois, il me dit, mais c'est incroyable. J'ai dit, mais c'est quoi? Il me dit, mais t'as des troupes maintenant? J'ai dit, waouh, c'est vrai? Oh! Aïe, 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 aïe. Oh yo 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 yo. Attends. Ma sœur, 2 secondes. Non. Ça. Oh yo 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 yo. Attendez, les amis, est-ce que vous vous rendez compte? Oh Jésus de Nazareth. Quand nous vous disons que Jésus-Christ, qui nous a créés, a des organes de rechange au ciel. Mais beaucoup pensent que c'est de la comédie. Cette vidéo-là, cette partie-là, mes amis, il faut balancer ça, que le frère et soeur soient encouragés, que notre Dieu soit... Moi, ça fait peut-être depuis 2003, donc je n'avais plus de trompe. En fait, les trompes étaient coupées. Mais au moins,
en février, j'étais à Paris, mais comme avant de venir, je n'avais pas prévu de ramener le résultat, alors je me suis dit, il faut que je pars, il faut que je revienne en septembre pour montrer. J'ai parlé à un frère, j'ai dit, waouh, le jour qu'ils étaient venus, comme c'était comme un démon pour moi, j'étais arrivée à l'église avec un habit, même les saints étaient dehors, il y a un autre esprit qui me disait, ne pars pas, il y a un autre esprit qui disait, pars, et je suis rentrée dans ma chambre pour chercher l'habit. Je ne voyais plus l'habit que je pouvais mettre. Et donc, du coup, j'avais mis un habit. Quand je regardais la vidéo, j'ai dit, waouh, le diable est tout droit. Donc, j'étais guérie. Mais je vais revenir au mois de septembre, si Dieu le veut. Je vais ramener le résultat. J'avais plus de trompe. Donc, j'avais plus. Parce que j'avais une opération, on l'avait coupée. Je l'avais plus. J'avais plus de trompe. Et le jour-là, c'était juste une petite prière. On était à trois, je me rappelle. On était à trois et quand vous avez prié, j'étais repartie pour aller faire le scanner. Et le docteur m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a regardé, j'ai dit, ah Seigneur, je pars. Tout ce qu'il va me dire, que la gloire soit rendue. Et je suis partie, il m'a dit, t'es 30, t'as maintenant des 30. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mais docteur, j'ai rien fait. Je venais tout le temps te voir, tous mes résultats sont là. J'ai dit, ok, d'accord. Voilà. Waouh, mes amis. Alors, ne raccroche pas s'il te plaît, on va prendre même ton numéro là. Hein, on va prendre ton numéro et on va... Gloire à Dieu, mes amis. Dans les deux secondes. Un autre témoignage aussi, que Dieu me pardonne. Franchement, moi, j'étais... ça, peut-être, je vais le témoigner sur place. J'étais une fille qui était dans la... Qu'on dit dans la... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais hein, Dieu est quand même en train de me délivrer. Et quand vous êtes en train de prêcher tout le temps l'enlèvement, franchement, moi, je ne croyais pas. Je dis, mais Chora aussi, c'est vrai qu'il prêche bien, ses prédications, ça me fortifie. Je prie maintenant, je pars plus à l'église, je prie chez moi. Mais pourquoi il parle toujours de l'enlèvement? En fait, moi, ça me faisait mal. Et c'est hier soir, oh là là, hier soir, le frère, mes soeurs, je vous dis, Dieu m'a visité. Donc, on était comme dans la venue. Dans la venue, il y avait du monde. Il y avait du monde. Et donc, comme, c'est comme les nuages qui tombaient. Et les gens commençaient à fuir. Je commençais à dire, oui. Et il y a une soeur qui était là, elle a dit, mais Chora, vous avez dit. Chora, vous avez dit, il y aurait un temps de la fin. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ça? Et alors, moi, j'étais avec un copain. Moi, on n'est pas encore mariés, franchement. J'étais avec un copain, moi, donc j'étais montée en haut, là où il y avait des nuages. Et je suis encore retombée. Et j'ai vu, je ne sais pas comment on les appelle, il y avait beaucoup de chameaux, je ne sais pas, des chevaux, là, je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. Il y en avait beaucoup. Et alors, moi, j'ai dit, il y avait du monde, j'ai dit aux gens qui étaient là, mais Chora, il le prêchait tout le temps, il y aura le temps de la fin, il y aura le temps de la fin. Donc, je suis redescendue. Comme j'avais peur, du coup, je me suis relevée, j'ai dit, oh Seigneur. Ah, il y aura le temps de la fin. Je dis non, il faut que j'appelle, il faut que j'appelle, je dois témoigner, je ne dois pas le garder, mes soeurs et mes frères, préparez-vous, il y aura le temps de... Moi, je ne croyais pas, Dieu est témoin, je ne peux pas mentir, je n'ai jamais témoigné comme ça, je ne croyais pas quand le frère Chora, il prêchait sur l'enlèvement. Mais aujourd'hui, Dieu me l'a montré, il y aura le temps de la fin. J'ai prié, je dis Seigneur, pardonne-moi, je dois vraiment marcher dans la sincérité, je dois me repentir, j'ai même appelé mon copain, si tu veux pas qu'on se marie, tu me laisses, parce que moi je veux pas rater le ciel, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, si tu veux qu'on se marie, si tu veux pas, tu me laisses, parce que moi je veux pas rater le ciel, c'est ça qui est le témoignage que j'avais vraiment. Waouh, alors ne raccroche pas, attends deux secondes, on va prendre ton numéro, c'est vraiment incroyable, c'est... Je suis vraiment... Vous vous rendez compte? Mike, on peut couper cette vidéo là rapidement et balancer ça pour donner toute la gloire à Yeshua. Elle n'avait plus de trompe depuis 2003. On lui avait fait une ablation de deux trompes et une petite prière. Elle a dit, comme Élie avec le prophète de Baal, eux ils ont pris toute la journée, pas de pluie. Lui il est venu une prière de moins de 10 secondes. Aïe, 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 aïe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il passait son temps dans l'adoration chez lui. Oh mon Dieu. Et les trompes sont descendues du ciel. Mes amis, sans opération. Vous ne pensez quand même pas que le Seigneur mérite un chant d'adoration? Thank you.
Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Amen. Wow. Dans ma façon, tu te rends compte des trompes. Le médecin dit, mais d'où viennent ces trompes? Mais oh Seigneur. Non, y a, et là, on va dire, ça c'est la magie, ça. Mais si c'est la magie, mais votre Dieu, il fait quoi? Mais prouvez-nous aussi que votre Dieu est vivant. En France, elle est au Canada. Elle est au Canada. Hein, du tac au tac, 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 ça passe. Ça... Enfin, quand je vois ça, je me dis, Seigneur, je comprends pourquoi la persécution. Alors, plus encore, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu. Hugues, mon frère Rodrigue, vous le voyez que de ce qui se passe? Des trompes! On va envoyer la vidéo de la soeur. On va l'appeler de toute façon. Là, on a pris son numéro là parce que son témoignage là, ça va, mes amis là. Quand je pense des frères et sœurs qui n'ont plus de reins, qui attendent de mes amis une transplantation, tout ça là. Mais nous pouvons, mes amis, grâce à Jésus-Christ, on peut faire de la transplantation divine, mes amis, par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, allez et guérissez. Il a dit quoi? Il a dit, allez et guérissez. Lui, il a tout accompli. Et lui, il nous donne les moyens. Il dit, allez guérissez. Chasser les démons, guérissez les malades. Elle est venue, elle n'a pas de trompe. Quand tu vois ça, tu dis, Seigneur, mais les trompes. On a peur de se tromper. Ah. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte un peu là. Je ne sais pas si vous réalisez le réveil là. Après se marier, elle aura un bébé. Mais c'est parti déjà là. Là, c'est. Elle aura le bébé avec les nouvelles trompes. Oh, mes amis. Est-ce que tu te rends compte? Mon Dieu, oui, oui. Le Seigneur me rappelait un songe que j'ai fait il y a peut-être un micro 2015. Et je suis en train de faire le rapprochement avec la nouvelle vision. C'était dans les locaux de TV de Vie. Dans les locaux de TV de Vie, d'accord. Ouais. Ah, t'as pas de micro, on t'entend pas en fait. On t'entend. Ouais, on a quelqu'un en ligne, deux secondes. Oui, c'est moi, mon frère. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, en fait, j'appelle pour... témoigner d'une vision que le Seigneur a montrée à ma fille. Une vision? Oui. Oui. En fait, ma petite sœur qui a 15 ans avait reçu une vision il y a deux jours. Et en fait, elle était au balcon et elle entend le ciel était assombri, le ciel était tout noir. Et il y avait des étoiles qui sont tombées du ciel. Et elle entend une voix audible qui dit, je reviens vous prendre, je reviens vous chercher mes enfants. Et après ça, en fait, il y a une boule de feu qui est descendue. Elle pouvait, en fait, il y avait des démons sur terre et qu'on pouvait le voir. Et après ça, elle s'est réveillée. Et c'était pour compléter encore qu'aujourd'hui, en fait, pendant que j'étais en train de parler avec ma fille, le Seigneur a parlé à travers sa bouche en disant que les Noirs aillent vers les Blancs pour leur parler de Jésus. Et cette petite, elle n'a que 5 ans. J'étais étonnée, j'ai ouvert mes yeux, le Seigneur a permis que je puisse... il a répété vraiment plusieurs fois, en fait, que des Blancs, enfin, que les Noirs aillent vers les Européens, c'est-à-dire les Français, pour leur parler de plus en plus de lui. D'accord, gloire à Dieu. J'ai dit que le Seigneur soit béni, parce que le Seigneur, en fait, il insiste, en fait, à ce qu'on parle de lui, en fait, que ses enfants aillent, en fait, vers... les Français des souches, vers les Européens. Ok, les on a compris, merci. Pour parler de lui, en fait. D'accord, merci, c'est bon. Donc, on finit avec toi, ta vision que tu as eue. Oui, donc c'était, je pense, un peu plus... On te donne le micro, pardon. Merci. Donc, je disais, ça remonte à peu près à 2015. D'accord. C'était dans les locaux de TV de Vie et ça devait être comme dans une cour. Bah, qui n'existe pas là, mais Dieu, peut-être c'est en projet. Et donc, en fait, il y avait plusieurs membres de l'équipe
je ne pourrais pas dire qui, mais plusieurs membres de l'équipe de TV de Ville, qui étaient en train de tourner un clip. Et il y avait, quelqu'un qui filmait. Et tout le monde était dans l'adoration, vraiment, c'était magnifique. Et tout d'un coup, il y a deux personnes habillées de blanc qui sont venues pour adorer aussi. Et puis le caméraman disait, c'est bon, les clips c'est fini. Mais il disait, non, il voulait pas arrêter. Alors, tout le monde continuait à adorer, à chanter. Puis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors on finit avec ce chant. Oui, je te célèbre et je me profane. Demain, 20h30, heure de Paris. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse au nom de Yeshua. Et si ça continue comme ça, vendredi, on risque d'avoir un programme. On va voir. En tout cas, merci.